Le premier arrivé dans le Xbox Game Pass est Gear 5, édition jeu de l'année, qui est arrivé le 4 janvier. Suivi par Gorogoa, Olija et Ten Pedestria. J'espère que je le prononce bien, mais j'ai un doute. Qui sont aussi arrivés le 4 janvier. Suivi de près par Ambre et Outer Wild, qui arrive ce 6 janvier. Il y a aussi Mass Effect Legendary Edition. Et pour le Xbox Game Pass Ultimate ou PC. Pour le 13 janvier, ça sera Ten Anacrucy, Spelunky 2 ou Spelunky 2. Je ne sais pas comment on le prononce exactement. Et on a la date de sortie de Nobody Save Ten World qui sera le 18 janvier. Et le dernier, mais pas des moindres, Rainbow Six Extraction Day One le 20 janvier. Ce qui nous fait 7 jeux qui n'étaient pas annoncés au départ. On pourrait même dire 8 si on compte Gear 5, même s'il était dedans, mais avec des versions plus légères. J'espère que ces informations sur le Xbox Game Pass vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous souhaite une bonne année à tous.